Vous regardez RTL. Vincent, quand il était très jeune, il avait participé au casting. Alors, mais pour être figurant du film La Belle Histoire de Lelouch, il n'avait pas été retenu. Mais il a fait un truc assez marrant. Bah, il est resté sur le machin, sur le tournage, en essayant de se rendre indispensable auprès de Lelouch, qui a fini par l'engager. Ouais, elle est vraie. C'est mignon, ça. Ouais, vrai. Non, moi, je pense que c'est faux. Ah, non, moi, je pense que c'est vrai. J'ai tout fait pour squatter le tournage. C'est insupportable. Tout ce que tu détestes qu'un mec peut faire, un jeune acteur peut faire. Ça a marché, attends. Ouais. Attends, raconte bien, je comprends pas. T'as pas été pris pour le rôle ? J'ai fait le casting figure. Ils m'ont jeté au casting figure. Ils étaient venus au cours Florent. Ils ont vu 300 personnes. Ils faisaient toi oui, toi non. Moi, ils m'ont dit toi non. Je suis revenu au deuxième tour. Ils m'ont dit mais non, mais je t'ai dit non. C'est comme Abélis et la potion magique. Voilà. Ils m'ont redit non. Je suis revenu au troisième tour. À chaque fois, je revenais. Je prenais l'adresse. Je me démenais. Et à un moment donné, je suis venu sur le tournage. Ils m'ont dit non, mais je t'ai dit que tu n'étais pas pris. Enfin, le mec du casting, quoi. Et puis, je suis allé voir Claude Lelouch à un moment où il est allé pisser. J'ai attendu qu'il fasse sa petite pause et puis je lui ai dit écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, votre cinéma, les films avec Ventura, etc. L'aventure, c'est l'aventure. Est-ce que je peux rester sur le plateau, quoi, voir, regarder? Et il m'a laissé passer la journée. Et à la fin de la journée, il m'a fait signer un papier et j'ai reçu un chèque. J'étais payé comme une journée de figure. Classe quand même. Classe. Alors qu'on ne voit pas l'écran du film. Alors qu'on ne voit pas du tout.